Même lorsque l'on est une personnalité publique, le quotidien n'est pas toujours rose. Barbara Hobsomé en a fait les frais il y a quelques semaines. Alors que tout semblait bien se passer pour son fils. Gabriel né le 3 mai dernier, l'artiste avait pourtant eu une mauvaise nouvelle. Le petit garçon devait se faire opérer. Ce dernier allait se faire couper les freins de la bouche. L'opération tant redoutée par Barbara Hobsomé avait, finalement, eu lieu le mardi 29 juin 2021. La jeune femme avait révélé le déroulé de cet événement sur son compte Instagram. Elle avait dû rester dans la salle d'attente pendant l'opération. En entendant les pleurs de son fils. Cette dernière n'avait pas pu y attendre très longtemps. Barbara Hobsomé avait préféré sortir. Malheureusement pour la jeune maman, la journée avait mal continué. En reprenant sa voiture pour partir se changer les idées. La comédienne avait eu un accident de voiture. Bim bam boum, je décide de pas faire les choses à moitié, je me tape un pétain d'accident de voiture avec un chauffeur poids lourd. J'étais en tort en plus, je me suis trompée de route, j'ai pas pris la bonne, et je me tape avec un camion tout mon côté gauche défoncé. Mon rétro qui part en éclats. Du coup plus de voiture, avait-elle déclaré, en toute transparence. Auprès des internautes. Heureusement, plus de peur que de mal. Barbara Hobsomé a l'air de s'être remise de ses émotions et cela fait plaisir à voir. En ce dimanche 15 août, l'ancienne candidate de Secret Story a partagé un tendre cliché en compagnie de son fils. Gabriel, dans une publication Instagram. Ses abonnés ont pu découvrir la petite grenouille de la jolie brune. Ceux-ci se sont rapidement attendris et ont été frappés par la ressemblance entre la mère et l'enfant. « Ils te ressemblent tellement, les plus beaux, ton portrait craché, magnifique tous les deux. » « Trop chou », peut-on lire dans les commentaires. Un beau portrait de famille.